Bon, Yom Tov, tout le monde. Dans notre paracha, on a les étapes de la création de l'homme. Alors, bon, on va pas essayer de rentrer, d'essayer de comprendre comment Dieu a créé l'homme, mais la Torah nous dévoile que Dieu a pris les bases qu'il a mis dans le monde, la terre, l'eau, le vent, le feu, ces quatre bases. Il les a assemblés et il a créé l'homme. Et ensuite, Dieu lui a mis l'âme dans son corps, la neshama. Alors, imaginez-vous un artisan, un artiste qui crée quelque chose. Il crée un corps, il forme un corps, il sculpte une statue et il lui met une neshama. L'homme doit être différent de tout ce qui a été créé. On a des animaux qui mangent, qui boivent, qui respirent, qui font des enfants, etc., etc. Mais ils n'ont pas de neshama. Ils ne parlent pas, ils ne sont pas intelligents comme l'homme. Et la différence entre l'homme et ces animaux, et tout ce qui a été créé, c'est la neshama. C'est quoi cette neshama? C'est quoi la neshama? Toujours on parle de l'âme. Et comment ça se fait qu'il y a des personnes qui ont une grande âme et d'autres qui ont une petite âme? Qu'est-ce qui est donné? Est-ce que Dieu donne à tout le monde l'âme de la même manière qu'il donne à un tel, il donne à un autre? C'est quoi l'âme? Alors le Zohar Kadosh on dit Vaipar be'apav nishmat chayim. Dans notre paracha, deuxième chapitre, septième verset, Vaitzer Adonai Elohim et Adam, afar min Adam, Dieu a créé l'homme de la terre. Vaipar be'apav nishmat chayim, il a donné un souffle. Et le Zohar Kadosh nous dit, quand tu prends un ballon et tu souffles dans le ballon, qu'est-ce que tu mets dans le ballon? De l'air qui est sorti de l'intérieur de chez toi. Tu mets dans le ballon. Vaipar be'apar nishmat chayim. Man denafar midile nafar. Celui qui donne le souffle, d'où il a donné le souffle de soi. C'est-à-dire que notre neshama, c'est une partie divine. C'est Hashem Yitbarach qui donne quelque chose de soi et qui le met dans l'homme. Vaipar be'apar Nishmatraïm. Rashi, il a dit que Akadosh Baruch Hu a attendu créer l'homme le sixième jour pour lui donner des éléments qui appartiennent à l'eau, à la terre, au vent et au feu. C'est-à-dire que l'homme, c'est un concentré de tout ce qui a été créé et qu'après. Donc il fallait déjà tout créer, après prendre l'homme à base de toutes ses bases, de toutes ces choses. Et après, on lui ajoute la neshama. Mais la neshama, c'est un supplémentaire. C'est pas de la terre. C'est pas de l'eau. C'est pas du vent. C'est pas du feu. Le nefesh, la neshama, il faut savoir que même dans la neshama, on a des niveaux. Comment on sait? Dans la Kabbalah, on le partage. Nefesh, ruach, neshama, chaya, yachida. Le nefesh, c'était les sentiments que même un animal peut avoir. Vous avez un chien qui est très attaché à son maître, un chat qui est attaché à son maître, un âne qui reconnaît son maître, un cheval. Ça, c'est nefesh. Tout le monde a ça. Plus haut que ça, c'est ruach. Et plus haut que ça, c'est neshama. Neshama, c'est le subconscient. Et plus haut que ça, on a chaya et yachida, le subconscient du subconscient. Là, on ne peut même pas atteindre, même dans la Kabbalah, quand on touche les dimensions dans la Kabbale des mondes spirituels, on ne touche pas dans Chaya Yachida, on ne touche que Nefesh Ruach Neshama. Mais je parlais de cette Neshama qui est extraordinaire. La Neshama, c'est un élément que HaKadosh Baruch Hu donne dans l'homme. Un élément qui est lié à une spiritualité. D'ailleurs, c'est intéressant.
Une des raisons, vous savez que nos sages nous disent que pourquoi on fait la Brit Mila, la circoncision, à 8 jours et pas avant, pour que cet enfant passe minimum un Shabbat avant de faire la circoncision, pour que sa Neshama, elle se renforce en lui. Comme qui est écrit dans Shabbat, Shabbat vaï nafash, le Shabbat, il rend le Nefesh dans le corps de l'homme. Vaï nafash, Nefesh, vaï Nefesh. Il lui donne le Nefesh, il lui donne les valeurs, il donne la Neshama, elle rentre et elle prend, elle s'attache dans le corps. De la même manière qu'on crée et qu'on construit une chambre, et après on lui met une lumière, c'est vrai, la lumière elle va très vite. La vitesse de la lumière elle va très vite, mais elle a une vitesse pour remplir la chambre de sa lumière. Une odeur, il faut qu'elle se propage dans la maison. Donc la Neshama, il faut qu'elle se propage dans le corps, et quand la Neshama elle se propage dans le corps, les membres du corps vont agir d'après la Neshama. Mais il est sûr que cette Neshama, elle va rentrer dans les endroits du corps d'après l'effort que l'homme a fait pour leur donner une force. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ouvre les portes pour que la Neshama puisse éclairer. Comme il a dit Job, Adam, Aïr Pereyulad. Quand un homme naît, c'est comme si un petit bourrico est né. Pourquoi ? Je ne vais pas dire dans le sens un petit bourrico, mais comme un animal. Et plus que ça encore, ce qui est très intéressant, c'est que l'animal se développe beaucoup plus vite que l'homme jusqu'à un certain âge. C'est-à-dire, tu prends un chat. En 3-4 mois, il sait déjà faire la chasse. Il sait déjà aller chercher lui à manger. Prends un nourrisson, un bébé. Prends un enfant. Jusqu'à l'âge de 10 ans, 12 ans, il ne sait pas se débrouiller. Il ne sait pas se nettoyer. Prends même des animaux qui vivent longtemps. Même dans la proportion. Même dans la proportion. Prends un chien qui vit 15 ans. 3 mois, 4 mois. Il se débrouille, il se nettoie son corps, tout seul. Il marche déjà presque. Il marche bien. Même si tu prends l'homme, il fait 4 fois. Il vit 4 fois plus que le chien, 5 fois plus que le chien. Mais est-ce qu'un homme, en 1 an et demi, il se débrouille tout seul? Non. Donc l'animal, il se développe plus vite que l'homme. Pourquoi? Parce que l'animal, il n'a pas de neshama, il n'a qu'un nefesh. Il a la partie base du nefesh. Il se développe, il peut se développer à un certain niveau, il ne peut pas monter plus. Donc il atteint vite son niveau. Comme l'homme, sa neshama, elle peut aller à l'infini, il peut se développer énormément. Et tout dépend du travail qu'on a fait avec le corps pour renforcer les bases de l'âme. Chaque mitzvah, chaque bonne action qu'on fait avec notre corps en donne une force dans l'âme pour éclairer un peu mieux. C'est-à-dire la mitzvah, c'est ouvrir encore une porte dans l'infini qu'on a dans notre corps et que l'âme rentre là-dedans. Il faut savoir que la neshama, tout homme a une grande âme. La question est, est-ce qu'on a essayé de la développer ou on ne l'a pas développée? Un homme ne pourra pas venir et dire à Dieu, « Dieu, tu m'as donné une âme toute simple. Si tu m'aurais donné l'âme de Moïse, d'Abraham Avinu, j'aurais été un homme exceptionnel. » Tu as la même âme qu'Abraham Avinu. Tu as la même âme qu'Adam Arishon. Dieu a donné de soi. La Neshama d'Hachem, elle rentre en toi. La question, combien toi, tu vas aider, tu vas prendre ta Neshama et tu vas éclairer avec ton corps. Combien tu vas, quel effort tu vas faire pour ta Neshama. Et tout ça dépend uniquement de l'homme. On a la Neshama dans la théorie, dans le corps de l'homme, et on a la Neshama en pratique. La Neshama en pratique, c'est la Neshama, elle nous montre la force qu'elle a. Et la Neshama dans la théorie, elle reste enfermée où elle est, et elle ne bouge pas, elle n'exprime pas sa lumière. Le moteur
et éteint. C'est comme un homme, il va chez le rav, chez le rabbin, il va un jour, deux jours, il dit « Rabbin, faites-moi une bracha, j'ai 40 ans, j'ai pas d'enfant », et le rabbin lui fait une bracha. Et il revient l'année d'après, il dit « Rav, moi j'avais fait l'année dernière une bracha, j'ai pas d'enfant, j'ai toujours pas d'enfant, faites pour moi une prière ». Et il refait une prière, il refait, il vient toutes les années, déjà il commence à avoir le cheveu blanc. Un jour, le rabbin lui dit, dis-moi, elle est où ta femme? Pourquoi elle ne vient pas avec toi? Il dit, je ne suis pas marié. Tu n'es pas marié, tu veux des enfants. Comment tu peux avoir des enfants? La Neshama, on a nous tous une Neshama, mais est-ce qu'on sait comment la faire marcher? Est-ce qu'on sait comment notre Neshama, elle peut éclairer? Ça, il faut le savoir. Ça, c'est uniquement avec les mitzvot. Quand Dieu a mis en nous, il a soufflé l'âme dans le corps, il nous a donné à nous le potentiel maintenant de prendre cette âme et de pouvoir la tailler, de pouvoir lui faire des fenêtres pour qu'elle éclaire, pour qu'elle éclaire notre route et notre chemin. Vaïpar be'apav nishmat chayim. Tout le travail qu'on se fait, c'est la neshama. Le Ramchal, dans Messilat Yesharim, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, il dit la base dans tout, dans Avodat Aboré, ou chefetz alev ou tchoukat haneshama. D'écouter notre âme. Souvent, on entend le corps, on n'entend pas notre âme. L'âme, elle crie. Dans les livres de Kabbalah, on appelle l'âme la princesse. La princesse et pas le prince. Pourquoi la princesse? Il y a une grande différence entre un prince et une princesse. Une princesse, un prince, on grandit dans la maison du roi. Mais la princesse, elle est limitée dans ses forces pour obtenir, pour re-obtenir ce qu'elle a vu dans la maison de son père, qui était roi. Le prince, c'est un militant, c'est quelqu'un qui va faire la guerre, il va essayer de récupérer la royauté. Mais la princesse, elle a besoin d'un soutien pour devenir reine. Elle a besoin de se marier avec un roi, elle a besoin d'arriver à une reine. Et la Neshama, quelque part, c'est une princesse, parce qu'on l'a pris d'en haut et on l'a mis dans un corps qui ne veut pas toujours faire ce qu'elle veut, elle. Elle lui dit, elle pousse tous les jours des cris. Pourquoi je ne suis pas en bonne forme? Pourquoi je ne suis pas comme au moment où j'étais sous le trône céleste? Puisque la Neshama, c'est une partie divine. Dieu a donné, comme que j'ai expliqué, il a soufflé dans l'homme une Neshama. Il a soufflé en lui ce qui était ancré en Dieu pour donner dans l'homme. Et la Neshama, elle dit, je ne retrouve pas cette sérénité. Je ne retrouve pas encore ce confort, cette joie, cette abondance, cette merveille où j'étais avant. Elle cherche. Et ça, c'est la source de nos recherches qu'on cherche toute notre vie. Quand un homme, il fait un effort, il va voyager une heure pour aller s'acheter un habit, il veut faire plaisir à soi. Il a une soif. Il veut trouver une sorte de sérénité, une sorte de bonheur. Et il essaye de chercher quelque chose qui va lui faire plaisir. Mais ça veut dire quoi lui faire plaisir? Plaisir à quoi? Plaisir à sa Neshama, qui se sent dans un vide. Elle lui a crié. La Neshama, elle a crié au corps. Je suis triste. Il me manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait le corps? Il dit à la Neshama, je sais ce qui te manque. Ce qui te manque, c'est d'aller faire une promenade. Alors il va faire une promenade. Et quand il rentre à la maison, la Neshama, elle recrie de nouveau. J'ai un manque terrible. Il dit, je sais, ah, c'est pas ça. Je sais ce qui va te faire plaisir, c'est aller m'acheter des choses et tu prendras un plaisir. Elle recrie de nouveau. Il me manque quelque chose. J'ai mal. Ça, c'est la Neshama. Ça, c'est la Neshama que Akadosh Baruch Hu nous a mis. Le Kli Yakar, Rabbi Ephraim de Lunchitz, qui était rabbin à Prague il y a 450 ans, il écrit dans son livre Kli Yakar, la Neshama, elle dépend uniquement de l'homme.
On ne peut pas dire, toi tu as grandi dans une maison religieuse, tu as eu une âme exceptionnelle. Toutes les histoires des tzadikim que vous avez connues, c'est avec un travail qu'ils ont travaillé. On ne naît pas avec une neshama spéciale. Tout le monde a la même neshama. Il y a une chose, comment tu as travaillé ta neshama? Abraham Avinu. Abraham est né dans une maison d'idolâtre. Son papa, il avait une usine pour fabriquer des idoles. Moshe, il a été jeté au Nil. Il a bégayé. Il était berger. Il a fait de la prison. Et c'est celui qui a fait descendre la Torah. Dans l'âme Israël, le plus important chez nous, c'est l'homme qui a travaillé son âme. C'est l'homme qui a essayé de lui donner un espace, de s'exprimer. Que mon âme, elle se sente bien avec mon corps. Que mon âme ne se sente pas prisonnière. Parce qu'une âme, comme je vous ai dit, c'est une princesse. Elle avait l'habitude de voir des splendeurs, des choses énormes en haut. Elle vient dans un corps, et le corps, il essaie de la tirer, de l'amener dans des endroits qu'elle n'aime pas. Mais elle est prisonnière. Elle est obligée d'aller avec lui. Elle se rébelle. 99% des problèmes psychiques que l'homme a, des tristesses, des angoisses, c'est que sa neshama n'est pas d'accord avec ce qu'il est en train de faire. Et comme il est sensible à sa souffrance, il tombe dans la détresse totale, dans la tristesse. Il ne sait plus comment agir. Il essaie ici, il essaie ici. La neshama n'est pas en bonne santé, n'est pas en bon état. Et elle crie. Chaque problème qu'on a dans le corps, il est issu d'un problème en la neshama. Même une maladie, même une plaie, même un bouton qui sort, vous savez, il y a des boutons qui sortent du stress. Des boutons. On est stressé, on a un bouton qui sort. Comment tu peux expliquer ça? Comment tu peux expliquer qu'un stress te fait un bouton? C'est-à-dire que la neshama, l'âme, peut agir même sur le corps. C'est-à-dire que si tu as guéri ton âme, tu peux guérir ton corps en réalité. Mais comme on n'est pas assez fort avec notre neshama, on n'arrive pas à la sentir, on n'arrive pas à lui donner une sérénité et un calme, on n'arrive pas à se guérir tout seul. Et pour ça que Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, qu'avec la Torah on peut guérir cette neshama. La neshama, il n'y a rien qui peut l'alimenter. Si tu manges, ce n'est pas la nourriture qui va alimenter ta neshama. C'est tes bonnes actions. C'est parler avec ta neshama. Si on lève la neshama, les shem shero ve achlam. Chantez et parlez avec votre neshama. N'ayez pas peur de parler avec la neshama. Une personne dit, quoi, je vais parler avec moi-même? Non. Ton corps, tes lèvres vont bouger, mais ta parole, elle va essayer de reconforter ta neshama. La parole que ta neshama te fait sortir de ton corps, elle va revenir pour lui donner une sérénité. Parce que c'est un dialogue entre l'homme et soi. Et il faut savoir, il faut avoir cette sagesse de pouvoir s'écouter. La vie est tellement courante qu'elle ne nous laisse pas écouter notre neshama. Un homme peut passer une vie entière sans écouter les vrais besoins de sa neshama. Dès qu'il la voit paniquer, il dit « Je vais te réconforter, je vais te donner quelque chose. » Mais qu'est-ce qu'il lui donne? Il donne un médicament qui ne convient pas. Et finalement, quand déjà son corps est faible, quand il n'a plus de force, il entend cette neshama, cette âme qui crie le cri de sa vie. « J'ai échoué, je suis 50, 60 ans dans cette prison, je ne suis jamais sorti. » Ça, c'est la neshama. On va y part, be'apar, neshama traim. Pas oublier qu'on a une neshama. De la même manière qu'on veut satisfaire notre corps, on veut manger pour bien se sentir, on veut s'habiller pour bien se sentir, on veut trouver les plaisirs de la vie pour bien se sentir. Il faut jamais oublier, tous les jours, poser la question. Est-ce que ma neshama est contente? Est-ce que ma neshama est contente? Est-ce que mon âme est satisfaite de toute cette situation? Quand on a posé cette question, c'est ce qu'il dit le Ramchal. Ikar uchukata ou chepetzalev uchukata neshama. Écoutez les envies de la neshama. La neshama, elle veut se purifier. Elle veut être proche, mais l'écouter, aller avec ça. Pas rien qui reste. Il y a des gens qui disent, je vois des fois des gens, ils sont tellement matérialistes, qu'ils disent, moi je suis très spirituel. En quoi tu es spirituel? Moi j'aime la mystique.
La mystique, ce n'est pas spirituel. La mystique, c'est une technique. C'est une technique, la mystique. La spiritualité, c'est d'alimenter ton âme. Ton âme ne peut pas être rassasiée par des habits que tu achètes. Ton âme ne peut pas être rassasiée par un restaurant. Ton âme, elle peut être rassasiée par de bonnes actions, par une nouvelle décision que tu as prise sur toi, par une idée que tu as pensée dans ta tête. Quand tu vas faire un effort avec ton corps pour aller faire plaisir à quelqu'un, c'est là que ta neshama, tu la combles de bonheur. Voilà, alors donc, Bezrat Hashem, qu'on n'oublie pas jamais à écouter notre neshama, notre âme qui crie en nous, qui demande Hashem, qui demande Dieu, l'écouter, la suivre, et essayer de faire tout pour la rendre heureuse. Shabbat shalom à toutes et à tous.